Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le char du jour. Donc voilà quoi, on se retrouve pour le char du jour. Et le char du jour aujourd'hui c'est le Toldi, char de tir 3 léger allemand. Bon bah allez, bah, quand il faut y aller, il faut y aller. On va attendre. Hein. En vrai, j'espère que je tire 5. J'espère pas, putain, tout ce que je dis. Le gars, il est expert d'avoir deux rangs, tu NDR. Putain, ça se lance quand? Ça se lance. Ah bah c'est vrai, j'ai mon tir. C'est calme. C'est calme, mon pote. Par contre, oh là, je sais pas si vous voyez la carte. Au pire, la carte, je vais faire un truc. Voilà. Je mets la carte comme ça, ou ça, vous voyez un peu. Ah, mais si je fais ça, vous voyez pas le choix. En gros, ça sert à rien. Faut juste... Le plus important, c'est de voir le char. Et voilà, petit char léger, hein. Pas mal. Un des chars que j'ai récupéré. Oh, il est là-bas. Putain, on est qu'à 3 à aller là-bas. Ah oui, il monte. Je suis le seul con qui va en bas. Putain, le Panzer 2J de chez les ennemis, putain, ils se sont fait défoncer. Ah non, ils se sont fait kamikaze, ils sont morts tous en même temps. Mais oh putain, donc ici prends tirer gros. Bonsoir toi, ça va, tranquille. On va se faire défoncer les gars. Ok, bah lui il bouge même plus, les morts tranquille. Ok, les gars. Il y a le gros lard qui va se remontrer là et. Ha! Il se prend des coups dans la tronche. Il a pas peur, hein. Il a pas peur, il a pas peur. Hein. Mais quand il va être à 19%, là il va avoir peur. C'est quoi? Ah ouais, je pensais que c'était le LTP. Ah non, il est en bas le LTP. Bien, occupez-vous des chars du bas, moi je m'occupe des deux là-bas. Après, s'ils arrivent sur ma tronche, bye bye, moi je me casse. Hein. Hey gros lard, tu te remontes quand là? 10 TP là. J'ai 10 TP à faire en maths. Hey gros lard, il s'est remontré le gros lard. Oh, il arrive sur ma tronche. Tu fais pas flipper tout compte fait gros. Hey boum. Wesh! Oh! Putain! Mais. Ah, il y avait plus personne! Oh l'enfoiré, il s'est barré! Ah, le Panzer ici qui nous soutenait, il s'est barré! Bah ouais, on est tous morts là! C'est une blague! J'aurais niqué un gros là. Bon allez, prochaine bataille. Oh bah on voyait peut-être pas, mais on a tiré 4. Nous avons vite fait. En vrai la qualité est pourrie quoi.
Tu veux pourfumer quelqu'un, bah voilà, c'est bien trouble. Voilà. En plus, dans un Panzer, une B2, en fait. Ça va être un peu relou. C'est calme, c'est calme, c'est calme. Bon, on va entamer les défauts et les mauvais. Alors, pour ce qui est les qualités du char, c'est qu'il possède un bon petit canon qui fait du 45 de dégâts, qui perce bien. Il a une bonne mobilité de tourelle, enfin la tourelle est un peu lente comme vous pouvez voir, mais ça, ça reste honorable. Il a une bonne vitesse, une bonne vitesse de pointe, un bon DPM et une bonne vitesse. Maintenant on peut passer aux inconvénients. C'est que les inconvénients, c'est bah, qu'il possède un bon, il possède un blindage en papier. Et l'inconvénient, c'est qu'il tombe souvent sur des tiers 4. Voilà, il a que deux inconvénients, hein, je vous mens pas. Et le mini inconvénient aussi, c'est que la tourelle est pas très rapide pour un char léger de tir 3 allemand. Donc on aura fait les défauts et les avantages. LBO est carrément au milieu, donc courage. Putain, y'a un de ces mondes là-bas. Oh putain. Franchement, y'a un monde énorme là-bas. Oh, tu vas pouvoir se prendre un coup. Oh putain, l'artie, elle m'a défoncé, c'est une blague. Putain, l'outil, il va rien faire. Avec ce canon de merde. Voilà, bon, il a à peine détruit un char, hein. Même pas. Comme 37. Et du coup pour le Scorpion G, je l'ai plus en location, il est parti, il est plus là. Voilà. Putain bah lui avec son canon de la mort là, il va faire un dégât énorme. Quel médium il va se montrer? Boum! Plus de médium. Médium 3, il l'a défoncé. D'ailleurs, on va regarder notre char, ce qui a l'air d'avoir du char pas loin. Ouais, il y a le Marder qui est là. Il pousse son allié. Il l'attend au passage, le DW2. Putain, l'obus, comment il est passé? Pouh, il est enchaîné. Et le B2, il est où? Putain, il est à la base! Oh, il va nous niquer, le... On va se faire défoncer par le B2. Regarde bien. Allez, on le prend derrière, monsieur Limis 40. Qu'on est par l'autre. Ah, le B2 il s'est fait défoncer par le Luch.
Ah, le mardeur sera fait défoncer. Bah, voilà, c'était tout pour cette vidéo avec la petite bataille du Toldi. Voilà. Qui va peut-être défoncer le char. Pff, 52 de dégâts, mais c'était pourri, mec. Oh, il a mis 1%. Putain. Qu'il a mis 1% au char. Alors, notre ami le Valentine 2 vient se faire harceler. Il s'est fait défoncer. S'il n'y a plus de lutte, il n'y a plus d'artis. Hein. Le Webs qui vient de faire, qui vient de dé... Oh putain, il l'a... Oh. Ah, Miscard qui veut vraiment le défoncer. Hein. Oh, GG. C'est pas mal joué, gros. Le gars, il parle tout seul. Bon, on se retrouve au résultat. Et c'est la victoire. Bah, on aura perdu notre DW2. Et notre Wesp, mais sinon le M37 et le Lutch auront survécu. Et sinon, bah tous les autres d'en face seront fait harceler, seront fait péter. Oh non, même qu'on fasse rien, on a quand même eu une putain. Bon, allez, bye bye les gars.